Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Euh, Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus courte. Ça va être une vidéo euh, bilan euh, d'une autre vidéo que j'avais fait au mois de janvier. Euh, donc, au mois de janvier, si vous vous rappelez, je vous avais présenté un petit peu les différentes choses que j'avais mises en place pour ces mois d'hiver pour essayer un petit peu de limiter euh, notre consommation, notre consommation d'électricité. Alors, vous le savez, c'est pas moi qui qui paye directement les factures d'électricité c'est mon chéri mais par contre euh, j'avais essayé de, de faire en sorte de faire baisser cette, cette consommation pour essayer de faire baisser la facture et en tout cas voilà de limiter la casse par rapport à l'augmentation qu'il y a eu donc voilà, Donc, je me disais que ça serait une bonne idée, là maintenant que l'hiver est terminé, euh, on est quand même au mois d'avril, je pense que ça redémarrera pas, hein. il y a peut-être quelques coups de froid de temps en temps, mais pas forcément, euh, pas forcément de quoi remettre les chauffages, en tout cas pas chez nous. Euh, donc, euh, donc, voilà, l'hiver étant terminé, on va faire le bilan ensemble pour essayer de voir par rapport à la consommation de l'année dernière si, eh bien, ça a effectivement porté ses fruits. Euh, je parle bien de consommation et non pas de tarifs hein, ni de factures. Donc, au passage. Euh, eh bien, je dédicace cette petite vidéo à ma belle-sœur, puisque je sais qu'elle n'a pas du tout aimé sa dernière facture électrique, et donc euh, forcément non plus sa consommation. Donc, euh, voilà, je, je lui fais un petit coucou, un petit bisou, et puis, euh, <laughs> et puis je, je lui dédicace euh, celle-là de vidéo. Donc, on va reprendre. Tout de suite, la suite de cette, de, donc de cette vidéo de janvier, euh, vous vous rappelez, j'avais mis en place certains, euh, certaines choses comme, euh, comme ben, on avait coupé les arbres, on avait euh, limité les chauffages, etc. Donc on va voir ensemble si, euh, comment a évolué euh, notre consommation depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'avril, donc maintenant. Alors comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, euh, j'ai essayé de faire en sorte de surveiller ma consommation électrique en allant directement sur le site d'Enedis qui est non pas mon, mon fournisseur d'électricité, c'est pas lui qui me fait les factures, mais par contre c'est Enedis qui va gérer votre compteur et l'arrivée de l'électricité chez vous donc du coup c'est chez eux directement que je vais regarder eh bien ma consommation électrique euh régulièrement j'ai essayé de le faire régulièrement tout au long de l'hiver alors je sais qu'il y a eu un moment donné euh, sur, sur la fin de l'hiver euh, je sais pas ça devait être au mois de février mars j'ai un peu laissé couler un peu plus les choses hein. euh, j'ai euh, voilà j'ai été moins rigoureuse sur, euh, sur la tenue de, de ma consommation électrique donc je suppose que ça doit se ressentir euh, et euh, mais, mais bon voilà sur, sur, sur les quelques mois euh, que qu'a duré mon expérience et c'est bien normal qu'il y, y a des moments où bon voilà j'ai été un petit peu moins stricte je vous l'avoue tout de suite donc voilà donc chez enedis euh, je suis allé voir régulièrement euh, ma consommation puisque ben il y a que comme ça qu'on peut arriver en surveillant un petit peu, ben, que ce soit ses comptes en manque, euh, sa consommation électrique, voilà toutes les choses euh, qu'on veut arriver à surveiller, eh bien, il faut régulièrement aller euh, les un petit peu les yoter, voir si, euh, voir si tout se déroule comme prévu. Donc, euh, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, encore une fois, pour vous faire la vidéo, c'est ce que je fais. Euh, je vous montre un petit peu. Euh, ben, co comment ça va se présenter euh, là j'ai un graphique où, qui reprend toute, toute l'année jusqu'à maintenant alors ça reprend 12 mois ça repart pas euh, plus loin on peut hein, aller chercher des dates bien spécifiques mais là euh, je vous ai mis sur, euh, sur les, 12, euh, les 12 derniers mois pour bien voir un petit peu euh, l'évolution euh, de, de, euh, de cette consommation électrique bien évidemment je suis allée chercher aussi donc ça c'est le mode graphique on peut avoir un mode tableau et donc je suis allé chercher mes informations pour l'année enfin pour l'hiver en tout cas 2020-2021 ce qui m'a permis derrière de vous faire le tableau que que je vais vous présenter d'ores et déjà là sur ce graphique là on peut voir que, bien évidemment l'hiver c'est la période de l'année dans laquelle je consomme le plus d'électricité c'est normal je vous disais qu'on a des chauffages qui fonctionnent à l'électricité donc toute la partie d'hiver c'est un, énorme pôle de un énorme pôle de dépenses en fait alors bien entendu si vous avez besoin je vous place dans la description l'adresse du site d'Enedis pour que vous vous puissiez aussi aller voir votre votre propre consommation et peut-être pourquoi pas faire un petit bilan de cette année et en tout cas peut-être vous préparer le bilan de l'année prochaine déjà alors au niveau de mon tableau ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis d'un côté euh, l'hiver 2020-2021 qui va être donc ma base euh, de dépenses puisque c'est ce qui a été euh, a été consommé l'année dernière et de l'autre côté je vous ai placé 2021-2022 qui est cet hiver cet hiver là qui vient de finir et puis ensuite, donc je vous ai placé euh, le, la durée sur laquelle euh, s'est effectué euh, ce test, donc c'est-à-dire du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, sachant que le mois d'avril n'est pas terminé, donc il y aura la consommation à aujourd'hui euh, et puis euh, l'estimation de ce que ça va donner pour la fin du mois en fait. On commence donc avec la consommation de novembre qui est passée de 919,5 kWh à 794,1 kWh. Donc novembre, c'est à peu près la période à laquelle on commence à mettre les chauffages ici dans le sud. Et, euh, et donc du coup, et eh bien la différence, ça me fait déjà quand même une toute petite économie parce qu'on a dû les mettre un petit peu tard euh, qui est donc de 125,4 kWh sur ce mois de novembre. Un mois qui devient aussi la plus intéressante encore pour le coup puisqu'on a beaucoup de dépenses euh, énergétiques à ce moment-là, c'est le mois de décembre avec toutes les vacances de Noël, qui est donc passé de 1760,2 kWh à 1255 kWh. 9 kWh. Et là, voilà, ça nous fait déjà directement 504,3 kWh d'économiser euh, entre le mois de décembre 2020 et le mois de décembre 2021. Donc là, c'est vrai que j'avoue que ça commence à être intéressant de faire un petit peu attention euh, au chauffage ou aux choses comme ça. Autre mois extrêmement énergivore. C'est le mois de janvier. Euh, et là, donc, du coup, cette année, on est passé, c'est là où on a coupé les arbres, et on est passé de 1957,6 kWh en janvier 2021 à 1402 kWh en janvier 2022. Donc là, c'est carrément 555,6 kWh d'économiser aussi sur ce mois-là. Et donc ça commence, quand on additionne, ça va commencer à devenir très 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 intéressant en fait. Pour le mois de février, alors il a été plus court et puis euh, il n'a pas fait particulièrement froid, en tout cas j'ai pas un souvenir d'un mois de février très très froid. Euh, du coup on est passé quand même de 1178,2 kWh en, en février 2021 pour passer donc à... 788,1 kWh en février 2022. Donc ben l'air de rien, ça nous a fait gagner 390,1 kWh, ce qui n'est pas négligeable non plus parce que après voilà, fin février, je crois que j'ai commencé à faire un petit peu moins attention. <laughs> ça doit se voir au mois de mars. Oui, voilà, mois de mars, euh, donc euh, petites économies, mais économies quand même. Hein. Euh, donc au mois de mars 2021, on avait consommé 908,1 kWh. Et là, on a consommé pratiquement la même chose. <laughs> euh, Puisqu'en mars 2022, on a été sur du 877,4 kWh. Euh, bon, voilà, ça, ça sent le relâchement là quand même. Hein <laughs> on a économisé uniquement 30,7 kWh. Il était temps que l'hiver s'arrête en fait. <laughs> Allez, pour finir, on en arrive au mois d'avril qui lui, bon, même s'il n'est pas terminé, euh, commence à être un joli mois généralement par chez nous. Euh, le soleil revient, j'arrête les chauffages. Euh, J'enlève je, complètement d'ailleurs le plomb des chauffages, euh, euh, puisque c'est sur une seule ligne. Euh, et donc en avril 2021, on avait consommé 624,9 kWh. Et euh, là. Pour aujourd'hui, donc, euh, on a dépassé le, le 20 avril, on en est à 377,2 kWh, sachant qu'il a fait un peu froid là, début avril, je crois qu'il a neigé pas loin et tout, enfin bon, un temps un peu fou. Euh, et donc, du coup, ce qui est estimé. Pour la fin du mois alors c'est pas une estimation inédite c'est une estimation de moi même euh, en, en multipliant le nombre de jours par le nombre euh, moyen euh, de kWh que j'ai dépensé ces derniers jours et donc j'arrive à peu près autour de 500 kWh euh, sur le mois d'avril 2022 euh, ce qui me fait quand même même là dessus donc une petite économie de 124,9 kilowattheure. Donc l'air de rien, si j'additionne mes différentes économies de consommation électrique, euh, j'en arrive donc en additionnant ce que j'ai économisé en novembre plus décembre plus janvier plus février plus mars plus hypothétiquement avril, on en arrive quand même à 1700 31 kWh d'économiser pour cet hiver. Donc, euh, l'air de rien, euh, ça me fait euh, comme si j'avais économisé tout un mois, euh, tout un mois entier, finalement, en plein milieu de l'hiver. Voilà, euh, donc euh, je trouve que c'est quand même quelque chose de très 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 intéressant là pour cette année où justement bah, les prix euh, augmentent, etc. Euh, je, on ne s'est pas privé non plus. Euh, je sais qu'il y en a qui ont tendance à euh, ne pas chauffer certaines pièces, etc. Ou qui ont dû faire des très grosses économies. De, de chauffage. Euh, là, c'est vrai que, ben en mettant ça en place, euh, ça nous a permis de vivre tranquillement euh, tout au long de l'hiver. je pense que, en dehors de moi, dans la famille, personne euh, n'a remarqué un quelconque changement, je pense. Euh, faudra que je leur pose la question. <laughs> mais, euh, mais, voilà, je pense que ça a été assez discret. ça a plus été de l'ordre de, de l'organisation aussi. Euh, Peut-être à mon niveau pour baisser un peu les chauffages ou faire attention à l'utilisation du four, du sèche-linge, voilà, donc de, de toutes ces choses-là. Mais, mais voilà, je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant à voir et je pense que je remettrai ça en place euh, l'hiver prochain. En tout cas, je, je ferai certainement de nouveau attention à tout ça, puisque je suppose que les factures d'électricité ne vont pas baisser, en tout cas d'ici là. Voilà. Euh, donc, euh, donc je suis plutôt euh, très contente hein, de, de ce bilan. Je suis contente de le faire et, euh, et je suis contente d'avoir fait tous ces efforts au niveau de l'électricité. J'espère que pour vous aussi, vous aurez peut-être de bonnes surprises en allant voir votre propre consommation. Et voilà pour ce compte rendu un petit peu, ce bilan de consommation. J'avoue que je suis quand même très très contente. Euh, je suis vraiment contente de voir que ça a marché et que effectivement notre consommation a baissé de façon plutôt significative hein, en fonction des mois. Euh, donc j'espère que ça sera la même chose pour vous, peut-être l'hiver prochain. Est-ce que vous mettrez en place euh, certaines, certaines techniques l'hiver prochain maintenant que vous savez euh, qu'elles fonctionnent euh, Eh bien euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, bien entendu. Euh, ça, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et à, et à justement y participer aussi par le biais des commentaires. Donc n'hésitez pas et puis ben pour nous, on se retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye